Serge, vous avez, on s'est super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty premier du nom. Donc, on est sur la 22e mission, si je dis pas de bêtises. Donc, on est sur une mission russe, toujours. Sergent Alexis Véronneux, nous sommes presque sur le terre. De là, nous sommes à moins de 66 km de l'antre de la bête fasciste. Certains de nos équipages de chars ont été décorés comme vétérans. Ce sont eux qui mèneront l'avancée jusqu'à l'Oder. L'Oder, enfin, je sais pas comment tu prononces. En gros, je crois que c'est le fleuve qu'il y a vers Berlin. Enfin, bref. Pour être vraiment efficace, ces équipes doivent pas avoir. Doivent avoir vous. Ok. Vous serez le chef opérateur d'une équipe plus ou moins. Néanmoins, il vous manque toujours des équipages compétents. Nos nouveaux chars T-34-85 permettent d'accueillir 5 soldats, mais la plupart des équipages sous mon commandement n'ont pas plus de 3. Pour être efficace, ces équipes doivent avoir un mécanicien conducteur, un mitrailleur, un canonnier, un chargeur et un chef. J'étais engagé à la volonté des soldats de l'infanterie pour remplir mes équipes incomplètes. Étant donné votre dossier, vous serez le chef opérateur d'une équipe plus ou moins expérimentée, mais techniquement compétente. Lorsque le prochain contingent expérimenté de remplacement atteindra le front, vous pourrez retourner à votre ancienne unité. Présentez-vous au char du portant numéro 1126 dans 9 h. 900 h, 9 h. Colonel GV Andropov, deuxième armée blindée de la garde. Alors, juste un moment. Ah, c'est quoi? Hop. J'ai pas, vous m'entendiez trop, pas assez. Ok, c'est parti. Donc petite mission au char, ça fait plaisir. Ok, donc on a une jauge de vie pour le char qui est à droite, c'est la jauge rouge. Et on peut éclater et okay. On peut éclater donc du coup comme je disais les fameux arbres et pour revenir avec la tourelle on fait juste... Enfin, en gros, je dépasse la tourelle et si je fais espace, le char sera aligné sur la tourelle. Parfait. Allez, on continue. Pour manger quelques bonbons. Là ça va sentir les chiens qui vont débouler, je sais pourquoi. Ok, mais ça c'est votre char tire automatiquement sur les troupes en bas de lui. Putain, j'aime bien les chars. Fail. Ok, bon, on va revenir sur la route. Merde. Les arbres de la ville voisine. Putain, moi je rastisse tout. Donc, par contre on est middle life avec les HP. Non, c'est qu'il faut faire face. Attention, panthère! Continuez!
camarades. Sortez-moi de là. Ok, à quel tour? Je crois que je vais laisser passer un peu en avance, parce que c'est vrai que là je commence à être très lourd. Allez, hop. J'ai plus beaucoup envie d'avancer. Ah bah voilà, fin de la mission. Si l'opposition des armes, très bien, si elle refuse, nous le ferons nous-mêmes, Joseph Taïb. Bon, celle-là on a déjà vu comme citation, c'est pas la première fois qu'on tombe dessus. Donc petit niveau ou scénario bien sympathique, bon assez court, mais bien sympathique hein, en tout cas. Je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est tout le monde.